Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milou? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve enfin pour le retour d'un ancien membre des NCT. J'ai nommé notre cher Lucas, qui débarque avec ses débuts solo et son premier single qui se nomme Renegade, mais également le MV qui l'illustre. Mais avant de blatérer, vous connaissez la chanson habituelle, remontons pour, j'ai envie de te dire, générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien en ce 1er avril et que vous avez passé relativement un bon week-end, un bon petit poisson d'avril. Moi, écoutez, ce week-end, j'ai été malade, soit une intoxication ou une gastro. C'est passé des deux côtés, je vais pas vous faire un dessin. J'espère que votre week-end était plus florissant que le mien. Je n'ai pas encore sorti mes vidéos du vendredi et celle-ci que je filme aujourd'hui. Je ne sais pas quand elle va sortir cette semaine, mais j'essaierai de les sortir cette semaine. Aujourd'hui, soir, il y a le concert des The Rose et j'y vais avec ma meilleure amie. Je peux vous dire que j'ai très très hâte. C'est pour ça que vous voyez une rose en plein milieu de mon front. Je savais pas quoi faire comme make-up, donc j'ai fait un truc comme ça. J'ai fait parler mon côté artistique avec des petites strass et tout. Enfin, un peu cafouillé, mais ça donne bien dans l'ensemble. En tout cas, ma météo du jour, vous le voyez, je me sens beaucoup mieux. J'ai la patate et la fatigue, ça va bizarrement. Voilà. Allez, c'est parti pour les débuts officiels de notre cher Lucas. Il m'avait tellement manqué. Est-ce qu'on aura un bon titre pour ses débuts? Yeah. Allons chercher. Écoute, je vais chercher quoi? Ok, on a quelque chose de hyper hip-hop. Ça lui va très bien ce style. Ok, oh. Ok, on dirait qu'il parle de son histoire là. J'évite tous les potins. Je suis recherchée comme des affiches sur tes make-up. Ouh, ça envoie un bon message aux haters pour dire allez vous faire foutre quoi. Renegade, ok. Renegade. Par contre, c'est quoi cette MJ, s'il te plaît? On a juste une performance vidéo. On a un peu côté rock aussi. J'aime bien, elle a couru. Renegade. Rebelle nation, c'est nouveau. Jamais basique, laisse les nuques, continue à te. Je suis un faux au téléphone. J'adore trop. C'est en mode tiens dans tes dents les haters, vous voulez quoi là? Je suis revenu quand même si vous vouliez pas. Ouais, élève-toi mon vieux. Renegade, mais j'essaie. Ouais, laisse la plus viriser, vas-y. Bon, j'aurais voulu quand même un MV quoi, mais pas un MV performance, même si je suis trop contente de regarder. Moi, j'aime bien être ton assiette. C'est comme pour dire, hey les gars, malgré tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez pu croire, je suis revenue et blam! Faut avoir du courage hein, quand même, ça doit être tellement dur de revenir comme ça alors que tu sais que t'es pas spécialement en tort quoi. Hop, les flashs et tout. Renegade, je veux trop cette chanson. No.
Ouais, je réagis aux deux versions. J'ai d'abord réagi à le plan B, maintenant je réagis au plan A. Là, c'est vraiment le MV, le ciel. J'adore trop ce truc. Mais je veux trop la voir. En mode. Là, on a vraiment une conférence de presse comme pour vous dire je vais vous montrer qui je suis. Vous avez cru tous les mensonges, les voilà dans vos gueules en fait. C'est bien parce que j'ai pu voir la performance vidéo avant. Oh, la flèche en mode. Ça me fait penser à Wassa. Je me fais petit comme une souris parce que je savais plus mettre. Oh, les métaphores! Non, mais ne l'écrasez pas! Toute la haine! Dommage, je sais pas la voir. Mais pourquoi? Je suis trop avant la chanson sur mon téléphone, elle est trop bien. En mode. Hop, j'adore trop quand ils font tout simplement le rebelle. Ils sont là, ils ont dit mais allez vous faire foutre, vous allez voir qui je suis vraiment. Renegade. Là c'est un trop, le clip est trop génial. Ah oh, t'as trop vite ce petit tronc de tête quoi. Alors, comme vous l'avez pu voir, j'ai d'abord réagi au plan B, puis au plan. Je me suis dit, mais c'est bizarre, il n'y a pas de MV et tout. Mais si. Donc voilà, vous avez tout simplement une sorte de double reaction finalement. Mais tant mieux, comme ça je peux réécouter ce titre trop génial. Je ne sais pas encore la voir sur mon téléphone et essayer de charger jamais. Je n'ai pas, ça me saoule. J'adore trop cette chanson. Et toutes les métaphores avec son scandale et tout. Ah, mais bon, je pourrais vous dire un petit peu ce que je pense de la jaquette parce que là, ils le mettent quand même sur Shazam, et alors bah, j'essaierai de télécharger le single, l'album, tout ce que vous voulez pour que je me le fume toute la journée. En tout cas, on a vraiment une chanson très hip-hop, mais basée un petit peu sur du rock, je trouve. C'est vraiment une chanson qui contient vraiment l'ambition de suivre son propre chemin, sans hésitation, à travers un changement meilleur pour soi et même son lui intérieur qui est beaucoup plus fort. On sait très bien tout ce qu'il a traversé ces derniers temps. On pensait qu'il allait jamais revenir, toutes ces polémiques, tous ces haters, cette haine tout simplement qu'il a dû subir. Et là, toutes les métaphores, le texte pour le dire tout simplement, les gars, je reviens plus fort, vous allez voir qui je suis. Et la métaphore dans son MV, donc ce côté plan A, où vous voyez tout simplement vraiment à cette conférence de presse, en mode, il explique nanana son retour et tout, et puis ce côté petite souris, toutes ces flèches pour montrer aussi toute la haine qu'il a pu subir, et etc. Enfin franchement, on a quelque chose de trop génial, surtout au niveau de cette chanson. J'aime beaucoup cette riff de guitare qui montre ce côté puissant, ce rythme qui était super entraînant, comme si tu allumais un feu en toi. Hein, c'est
unique à chaque personne et c'est unique à lui. On a vraiment un message qui est très, comment dire, pionnier dans une nouvelle vie et également un avantage souligné, on va dire ça comme ça. Moi je suis trop contente de son retour. Franchement, on a une très belle production, une très belle métaphore et un message pour dire je reviens les gars, je vais tout casser et tout ce qui s'est passé je mets derrière moi et vous pouvez me juger, je suis revenue beaucoup plus fort et j'adore ça. Oui, vous voyez que je suis excitée comme une puce parce que j'adore trop quand il y a des artistes comme ça qui nous revient. En tout cas, au niveau de son single, je sais toujours pas la voir, hein. Je vais essayer de retaper, hein, mais je n'arrive pas à la voir, ça m'énerve. Renegade. Renegade. Si, il en fait sortir. Oui. Afficher l'album complet. Je veux tout l'album. Ouais, je le télécharge directement. Yes. En tout cas, au niveau de son single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes composées de 3 titres. Et au niveau du visuel, ah ben écoutez, j'aime beaucoup. On a quelque chose à écrire en anglais que je ne comprends pas. On le voit lui comme ça. Vraiment sous un fond blanc, lui tout noir, et une sorte comme de cicatrice dessinée sur lui, comme s'il voulait montrer ses blessures de tout ce qui s'est passé, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, j'adore. Et vous, mes chers Mélimélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos suppositions, si vous avez les mêmes que les miennes, si vous avez adoré toutes les métaphores, le message fort, enfin, le MV, la chanson, tout. Franchement, tout était génial. Moi, je me dis parfait. C'est un retour remarqué dans toute sa puissance. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye. Sayonara. Oh,